Pierre Aguilar, prêtre depuis 33 ans, actuellement basé à Fréjus, responsable d'une nouvelle fraternité qui s'appelle la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II, née en 2009, dont la base est dans le diocèse de Fréjus-Toulon et qui a des missions dans plusieurs pays. La Fraternité Missionnaire Jean-Paul II est née pour d'une part porter la bonne nouvelle du salut, le feu de l'amour de Dieu à tous ceux qui sont au loin, qui ne viennent pas dans les églises, et en même temps pour coacher, pour entraîner les fidèles à être disciples missionnaires dans la vie quotidienne, pour les former, pour réveiller cet élan missionnaire, ou plutôt participer à cette nouvelle ère missionnaire dont parlait Saint Jean-Paul II. C'était à l'âge de 16 ans, au cours d'une assemblée de prière, comme une étincelle du Saint-Esprit qui a mis le feu à ce qui était déjà préparé, semé aussi par mes parents qui m'ont transmis l'amour de Jésus. Et j'ai vraiment vécu cette rencontre personnelle avec Jésus qu'on appelle effusion du Saint-Esprit ou baptême dans le Saint-Esprit, qui a complètement changé ma vie. Et à partir de là, je ne vais pas vous raconter ma vie, ça serait trop long, mais tout a changé et ça continue. Dans mon ministère, je me rends compte que beaucoup de chrétiens, même qui vont à l'église, ne savent pas qui est le Saint-Esprit, ne le connaissent pas et surtout n'en font pas l'expérience. Donc c'est un parcours tout simple pour déjà réaliser qu'il existe un Saint-Esprit, qu'il est un seul Dieu avec le Père et le Fils, et puis aider ceux qui lisent ce livre à voir comment entrer en amitié, être devenir vraiment l'ami du Saint-Esprit, vivre avec lui, vivre un partenariat avec ce merveilleux Saint-Esprit que le Père, que Jésus nous ont donné pour nous accompagner dans cette vie, pour être des témoins de Jésus et de l'Évangile. Eh bien, c'est tout simplement Jésus. Je suis fier de mon Seigneur et j'aimerais tellement que beaucoup le connaissent, que tous le connaissent. Ma fierté, c'est Jésus. J'oublierai jamais ce jour où dans le métro de Tokyo, j'avais perdu ma sacoche avec tout ce qu'il nous fallait. Nous étions en mission avec une journaliste pour une revue chrétienne et on était complètement perdus. Et dans l'escalier, quand j'ai dit « Oh, ma sacoche !» Eh bien voilà que la Providence, que le Seigneur a mis à côté, une Japonaise qui comprenait le français, qui nous a conduit vers le chef de la station. On a retrouvé la sacoche avec tout dedans. Mais ce n'est pas ça le miracle, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas trop étonnés. Il y avait très peu de vols au Japon. Mais le miracle, c'est que le Seigneur ait mis à ce moment-là cette personne qui en plus était abonnée à la revue pour laquelle on allait en mission au Japon. Incroyable. Vraiment, le Seigneur est à nos côtés tous les jours. J'avoue que j'hésite entre Jean-Paul II et Mère Teresa. Ils étaient copains, hein, et très proches. Et voilà, c'est les deux. Je dirais les deux. Jean-Paul II et Mère Teresa. Les amis, je vous souhaite vraiment de découvrir et redécouvrir sans cesse ce merveilleux Saint-Esprit qui est toujours avec nous et grâce auquel on peut aimer Jésus, le faire aimer et en Jésus nous laisser prendre dans les bras du Père. Je vous souhaite vraiment dans votre vie très très quotidienne de découvrir combien le Saint-Esprit est là. C'est vrai que souvent on lui dit « Viens, viens, viens Saint-Esprit », mais il est là, il est avec nous, c'est à nous de venir à lui et de le laisser agir. N'ayez pas peur, il n'y a que des bonnes surprises avec le Saint-Esprit.